Se va la segunda. Dice que las aguas crecen y cuando así crece mi sudor, cuando ya me perdí. Así crece mi sudor, cuando ya me puedo ver. De Bolivia vengo bajando, ay, ay, ay. Dios y volveré a la tierra donde nací. Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací. ¿Cómo se llama esa cuesta? Es un carnavalito, ¿no? Yarabí con fuga de carnavalito. Yarabí con fuga de... Yarabí con fuga de vida. Espérate un cachito. ¿Y por qué dice ya me voy y no se va? Bon, les amis, nous voilà de retour. Toujours plein de vie et d'humour. Alors, on est un peu plus vieux que la dernière fois, évidemment. Il y a un mois, à peu près, un mois et demi même, presque, est passé depuis les dernières vidéos. Je ne compte plus. Et donc, nous allons reprendre les vidéos avec Jean-Michel Kerr et moi-même. Et aujourd'hui, après cette chanson un peu arrangée à notre façon du jour, parce que... On l'a improvisé, hein. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Il faut dire pour notre défense. Oui. Mais on pourra la refaire, parce qu'effectivement, je trouve que ce carnavalito... C'est un cachuliapi. Ah, eh bien, je trouve que ce San Juanito est très très bien. San Juanito. Ah non, San Juanito, ça peut être sympa. Attends, fais voir. San Juanito. Comment on pourrait faire? De Bolivia vengo bajando, ay, 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 pobre bicholita, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací. Et est-ce que tu sais que l'introduction que l'on connaît, oui. Je ne vais pas jouer les savants, parce que je vais encore me faire Non mais en fait allumer, là c'est mais... Encuentro con el maestro Juan Miguel Caire. Non, il n'y a pas de Miguel. C'est simplement, c'est une histoire de, et je parle toujours en prenant ce qu'on appelle des droits à l'erreur, et j'en ai un paquet, j'en ai une réserve, je pourrais t'en passer si tu veux. Il y a toujours des histoires de structure, évidemment, par rapport à la danse, surtout pour les danses criolles, 3, 4, 6, 8 et le reste. Et puis il y a aussi, pour les introductions, on retrouve les mêmes marches harmoniques.
C'est-à-dire dominante, tonique, ou tonique, dominante, dominante, ou dominante, tonique, tonique, etc. Donc là, il y a de quoi vraiment s'y perdre. Et après, c'est la littérature, c'est le texte qui impose sa loi. C'est pour ça que la musique grecque, qui comporte des difficultés sur le plan, sur le plan littéraire, les textes grecs, et j'en avais parlé avec de nombreux compositeurs grecs, disaient qu'effectivement, c'était pour ça qu'on avait des mesures composées, des mesures très complexes. Si je me gratte le nez, c'est parce que c'est une histoire d'allergie à mes voisins, je pense. Mais c'est pas du tout parce que je consomme des choses illicites. Alors, excuse-moi. Bah, si le maté, ça devient illicite, attention. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Ouais. Je bois du thé en ce moment. D'accord. Et alors, donc, tu disais. Alors, je disais que donc, nous reprenions les discussions et que nous allions aller vers les disques de Leguizamón qui interpellent et intéressent beaucoup de monde par rapport à qui a fait quoi dans ces fameux groupes. Trio Los Andes, je n'y suis pour rien, Los Quetzales, Machu Picchu, et alors le plus fabuleux de tous, Los Calchacos. Oui. Voilà. Alors ça voilà, nous a ça, c'est, ça c'est le voilà. Donc je vais te laisser parler de non, ça. Non, donc mais, voilà, on commence avec ça, on reprend avec ça. J'aime bien que tu m'interroges parce que comme ça me remet dans le droit fil parce que je digresse beaucoup. Voilà. Mais là, il faudra te digresser moins parce que c'est des tranches de 12 minutes maxi parce qu'après pour charger, je deviens fou. Sur les réseaux oui. sociaux. Ouais, bah, écoute, j'ai pas du tout envie de. Donc là, on est combien santé mentale. T'as encore du temps. Bon, 4 minutes. Tu me dis, 4 minutes. Pour parler, toute ma. Non, pour cette session-là. D'accord. Enfin, ce bout-là, et on refait un épisode, épisode. Ok. Parce que c'est par épisode, c'est comme Dallas. Ah oui. Voilà. Alors on va savoir qui joue JR, qui joue Swellen. J'ai jamais vu ça. J'ai vu une fois. Ça m'a foutu un cafard. Un cafard monstre. Parce que c'était déjà des espèces de. C'était une tragédie, mais avec l'unité de temps, l'unité de temps de la tragédie. Ils vont devenir fous sur Internet avec nous. Mais bon, ils savent que je le suis déjà. Bon, alors, Leguizamón. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà. Donc, il y a eu des disques qui sont sortis, produits par Carlos Leguizamón, sous des noms. Pedro Leguizamón. Pedro Leguizamón. Perturo Leguizamón. Qui sont sortis sous plein de noms différents, et tout le monde se demandait, mais qui est le kéniste qui joue là? Alors, moi, je dirais le génial kéniste, qui est ce que je pense beaucoup de gens, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Oui. Alors, c'est pas Raymond Thévenot, c'est pas non plus Facio Santillane, ni qui vous voulez, mais c'est Jean-Michel Kerr. Et maintenant, explication. Tu vas avoir beaucoup de déceptions manifestées. Non, ce qui s'est passé, justement, tu parlais de cette histoire de Los Calchacos, qui est effectivement, parce que Los Indios de Sicu, c'est pas mal non plus. Ah, il y a ça aussi, c'est vrai. Los Indios de Sicu. Ils ont sorti, je crois, en 2016, j'avais fait une espèce de classification et de recensement, dans la mesure de mes faibles moyens, des titres sortis. Des titres d'albums, il y en avait déjà en 2016 19 différents. Donc, je ne sais pas si ça a augmenté, mais je pense que oui, avec puisque les ruffians produisent souvent des gens, comment dire, vertueux, mais ils peuvent aussi produire des ruffians, c'est ruffians et fils. Bah oui. Donc, comme ceux d'origine, parce qu'on a enregistré ça en 1971, ce qui fait 52 ans, si mes calculs sont bons. C'est bon. Et alors, Los Calchacos, je fais encore une incidente, puis ça sera fini. Un jour à l'escale, un soir de demi-brume à l'escale. Donc, l'escale, le cabaret de la rue Monsieur le Prince. 15. Au 15 des Machu Cambos. Voilà. Qui est devenu un sordide. Claque-nous, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est une boîte, c'est un bar. Oui. Et donc, mais cela dit, c'était un bordel avant. Ouais. Avant que le Machu Cambos le prenne. Bah, quand on y jouait aussi, parfois, c'était un bordel. C'était un bordel indescriptible. Musicalement. Musicalement, ah, ben, bien sûr. Je n'oserais pas. La morale. Le reste reste dans les murs. Elle des lieux. Souffrir, bien sûr. Mais. Voilà. Et. Donc, un soir à l'escale, arrive Hector Miranda, donc, le chef de Calchakis, et puis il me dit, « Dis donc, Miku, j'ai vu qu'il y avait Los Calchacos, un disque que
que tu sembles avoir enregistré. » Je dis, bah oui, je l'ai vraiment enregistré, ça faisait très peu de temps. Il dit, mais il faut qu'on fasse un procès et que les Kaltchakis et los Tchakos. Voilà, genre, j'ai pas osé parce qu'on n'était pas procédurier. À l'époque, je ne l'étais pas. Je le suis devenu longtemps, 30 ans plus tard. Voilà. Donc, tu vois, je referme la parenthèse alors, digressive. Ça tombe bien parce qu'on va faire un deuxième épisode. Si tu veux. Bon, à tout de suite.